Yo les gens, ça fait Assassin's Creed, c'est aujourd'hui sur Final 2 sur Watch Dogs 2. Alors le jeu est sorti, je sais, il y a un mois et demi ou 2 mois, je sais plus. Donc je fais juste le jeu, juste pour le... Quand, parce que... Voilà quoi, parce que c'est Noël et tout. Je fais le live, enfin la vidéo juste pour vous. Je m'en fous de Donc on va commencer la même partie, quand, ne vous occupez pas du continuer, j'ai juste fait un petit fail. Donc on va commencer maintenant. Donc j'avais déjà joué Watch Dogs 1, mais alors c'était je l'avais fini assez rapidement, donc j'espère que le Watch Dogs 2 va prendre un peu plus de temps. Hein. Par contre ils ont pas encore réglé le problème du chargement. Ça va casser les couilles rapidement. Par contre j'espère juste que les commandes sont un peu les mêmes que sur PS3. Et sans spoiler, je me demande si on va contrôler Aiden Pierce ou alors un autre personnage. Ah voilà, cinématique, ah bah. C'est comme sur Black Ops, ok. Je sais pas ce qu'ils ont sur moi, mais c'est des conneries. Et surtout, j'aimerais bien qu'on me lâche. Par contre, c'est dommage, là, ils mettent pas carré pour sauter. J'ai trop l'habitude de ça. Essayez de suivre. Ah ouais. On t'a préparé une Donc, notre personnage s'appelle Retro. Donc, ouais. Est-ce que c'est encore Dead Sex? Ça, je crois que c'est le cas. Ouais, je suis pas sûr à 100%. Alors. Ouais. Alors, si on. Ouais, pour quitter l'abri, ok. Vers quoi? Ah ok, on va devoir le tuer au corps à corps. La caméra, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah putain, 116 000 fils de pute, ok, il est de la mort. Je sais pas si on peut pirater sa thune. Si c'est le cas, c'est très trop bien. Je vous ai... Hey, ce qu'il y a là... Oh ok, on était pas oh du tout. Mais alors, pas du tout. Alors... Il était là tout à l'heure, je vais aller vérifier. Je vais voir si je peux pas le buter. Je peux pas genre pirater. Putain, non, je peux pas. Merde, comment il est où? Voilà. Donc au moins je l'ai pas tué, c'est déjà ça. Bon, il faut aller où? Ok, au point là-bas. Ça dépend si ça va être un jeu d'enfant ou pas. Qu'est-ce qu'il y a? On peut rentrer ou pas? Même pas. Comment tu veux que j'aille rentrer alors? Putain. Peut-être en passant de l'autre côté ou alors il faut que je reste sur l'autre toit, je sais pas. Tu serais vraiment une vidéo découverte, hein. Je veux pas faire un truc extrêmement long et puis je veux pas non plus bavarder. Vraiment. Alors. Ouais, donc on va devoir pirater. Est-ce que c'est... Dites-moi que c'est pareil. Oh non, c'est encore plus con que je croyais. Voilà. Du coup, on peut... Voilà. C'est quoi? Ah ok, c'est appuyé. Je crois que si vous voulez enfoncer, là je comprenais que dalle. Là. Ça sert à rien, je te dis. Il est pas là. Bingo. Alors c'est lui? Il a une arme. C'est un problème? Les problèmes, je suis là pour m'en occuper, non? Lance le chrono. Ça m'intéresse. Ça y est, il est entré. Quoi, déjà?
synonyme, ça. Je veux une vraie réponse. Oh, c'est pas mon truc, les extraterrestres. Hey, les jeux vidéo non plus. C'est pas n'importe quel alien, c'est... Quelqu'un d'autre a un problème? Ah non, pas ça! Ok, donc un autre personnage, je crois qu'il s'appelle Holloway. Je sais pas si c'est ça ou pas. Le hacker du Home Domain Awareness? Ce rétro-là? Ouais, on se l'a déjà dit. Ah oui, il faut trouver l'accès carrément. Ouais, j'écoute jamais, moi. Putain, j'en reviens pas. Donc c'est là, je suppose que c'est lui qui l'a, voilà. Qu'est-ce que je peux ramasser? Je suppose... Ah non, c'est... Faut pirater les caméras. Non, il est là-bas. Lui non plus. On va pouvoir faire quoi, là? Alors... Il a quoi sur lui? D'accord, mais comment tu... qu'est-ce que tu veux que je fasse, là? Putain. Ah ok, mais la clé d'accès, elle est où? Peut-être là-dedans, je sais pas. Ah. Ah bah, c'est la porte. Ah ok, je comprenais pas. Donc Non, ça va, je sais pas. Pirater, ouais. Voilà, la clé d'accès, donc c'est bon. Voilà, on entre de la façon la plus stylée au monde. C'est vraiment un peu de stratégie là, surtout, je trouve. Bon, c'est bon, y'a personne. Ok. C'est quoi son histoire? Il a grandi à Auckland, mais il est né à... Non. Son histoire, c'est qu'il traîne près du centre de ressources de DedSec. Et ouais, donc c'est bien ce que je pensais. DedSec, en gros, c'est la société où était le premier personnage dans Watch Dogs. Jusqu'ici, personne n'a jamais réussi à effacer son profil CityOS. Je veux voir s'il est malin. Des Let's Play, c'est pas moi, des Youtubers. Ou les deux. Enfin, vous allez taper sur YouTube, hein, je peux vous apprendre. Donc voilà, il est là. Le point. Bon, c'était limite là par contre. Par contre, elle est où la barre de vie? J'ai pas compris. La barre de vie. On va voir si je peux. Ah, pas tout de suite, on dirait. Ah, est-ce que tu dois essayer de tuer ici? Merde, oulala, oh là là, oh là là, ah, c'est nul, ce que je fais, c'est nul. Ça c'était vraiment con, hein. Donc c'est maintenant on va se barrer, je suppose, non? Le CityOS est défini comme suspect principal dans un cambriolage high-tech, alors... Ah! Donc on a une histoire. Juste des travaux d'intérêt général. La seule preuve qu'ils avaient, c'est les algorithmes prédictifs du CityOS. Retention. Mais une fois dans l'embrunage... Toujours surveillé. Bon, c'est bon, là, je suppose qu'on a fini. La mission, ou alors un présent. Voilà. Waouh! Ah non, même pas, c'est pas ça qu'il fallait faire. Il a tenté le coup. Il aura pas beaucoup de temps avant que les renforts arrivent. Ah bah, je le sais, hein. Faut vite dépêcher là. Où est la... Ah, une entrée ici, on va voir si c'est peut-être ça. Hein. Faut aller là-haut. Allez. Ok. Tu prends le pire. Mais le pire, quoi. J'ai pas vu l'escalier.
trouver un truc stratégique là. Ah bah même pas. Restez bien vigilants, je me suis fait assommer. On ratisse la zone, c'est parti. Où est-ce qu'il est? Ok. Non, ça va, c'est bon. Ok. Voilà. C'est vraiment simple. Il va dans le four là. Il fait près de 50 degrés à l'intérieur de ce four. Oh bah c'est... Alors là, respect. Il a peur de rien. Personne n'y est jamais arrivé. Ok, donc putain, c'est comme découvrir le niveau des vaches. Juste vérifier quelque chose. Voilà. C'était juste pour... je sais pas comment expliquer ça, mais bon, c'est un truc rapide. Hein. Ça va pas durer longtemps, de toute façon, vous allez en remarquer. Que dalle. Faut aller où? Ouais, ça fait. Je vais vraiment à la... Là, j'y vais à la YOLO. La mission, elle n'arrive pas à la faire. Non, j'aurais dû peut-être t'attendre un peu plus, mais bon, ça allait pas être marrant. Oh là là, mais c'était nul ce que j'ai fait. Nul! Je sens que le faire que cette mission pour le moment, c'est juste pour de la découverte, comme j'ai dit précédemment. Non, je vais peut-être pas sauter, je suis pas non plus timbré. Tuez-le s'il faut! Ou alors toi, t'aurais jamais dû faire ça. Ouais, c'est foutu. Je sais pas s'il faut aller plus loin là-bas. Ok, donc il faut encore pirater, pareil. Ah oui, il y en a même un. J'avais pas vu. Là on se calme, je vais juste paramètre de son parce que là c'est horrible. Voilà. Je vais baisser un peu. Voilà, 40. Parce que là c'était un peu trop fort là. Sans critiquer, là c'est vraiment. Oh pareil là c'est une connerie ce que j'ai fait. Non, ils ont des grenades pour ça. Non, 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 non. Pas de grenades, ils sont fous. Voilà. Lui, il a cru que je l'avais pas vu. Mais en fait, je l'ai vu. Est-ce que c'est... Ah, c'est lui peur. Alors, pirater le terminal pour afficher les nœuds de paramètres réseau. Affiler.
Ouais, bon, attends, faut que je trouve quand même assez. C'est quoi ça? Ah oui, ok, ça, ça peut être intéressant. Voilà, comme ça, ils viennent plus nous emmerder. Oui, donc. Ouais, donc j'ai pas trop compris ce qu'il faut faire là, par contre. Là, là, j'ai vraiment aucune idée là, putain. Attends, faut faire quoi? Placer le dernier ennemi. Attends, plus rapidement sur L1 pour faire piloter l'ennemi et rediriger. Ah, je comprends que dalle. Ah, mais ils ouvrent. Ah, là par contre, c'est plus intéressant. Voilà. Ah, ok, je viens de comprendre. Voilà. Confirmation de la cible. Non, en fait, j'ai rien compris. Mais bon, je fais genre. Putain, pourquoi mon niveau de menace est aussi élevé? Ok, donc notre personnage il s'appelle Marcus. Ok. Alors, en fait, c'est quoi ces conneries? Ou alors, j'ai qu'à... Alors, le traçage CTOS, ok. Ah, ok. Il s'efface... Voilà, il s'efface carrément, le mec. Ok, donc en fait, on a carrément changé. J'ai laissé une backdoor dans le système. Ça me permettra d'y accéder plus tard. Désolé, ah, oui, ok. On n'en a pas encore terminé. Il ressort. Chope-le. Yep. C'est pas que lui il est déjà mort, mais bon, bah attends quoi? C'est bien le... Ouais, j'ai rien compris, comme d'hab. Ah ok. Oh il est là, oh non mais alors là c'est... pitoyable. Ah ok, je comprends mieux, là c'est déjà mieux. Ah non, faut aller en dessous. Oh, c'est un labyrinthe. C'est à peine le premier niveau. Hein. Bon, il est pas là. Lui. Ah, c'est bon, je suis repéré. C'est mort. Faut que je le fasse mieux parce que j'ai pas envie de rester une heure sur ce niveau. Je veux juste le finir. Voilà. Je suis peut-être pas très bon, mais au moins j'assume de ne pas être bon. Et après, n'oublions pas que ça fait. J'ai peut-être joué avant, mais c'est, ça date. Donc il me voit pas pour le moment, ça c'est déjà pas mal. Je vais le contourner, là il va rien comprendre. Lui.
Oh le... Oh le boulet. Oh non. Non, 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 lui. Lui, il appelle rien. Il appelle rien. Lui. Voilà. Ah non, c'est en bas que ça appelle, non. Là, par contre, je suis dans la merde. Je suis dans la merde, moi. Alors, bon, ok, tu m'ouvres. Ah, ok, c'est un dossier. Je me souviens qu'il y avait ça aussi à chercher là, les dossiers. Je sais plus pourquoi, mais bon, ça devait être quelque chose d'important, mais pas trop. Ouais, donc non, c'est encore plus bas. Il y a encore un escalier ou pas? Avec mon petit pistolet dégueulasse. Je vais pas faire grand chose. Voilà. Et je rêve où je suis revenu au point de départ ou pas là? Ah non. Là les renforts ils sont venus, ok. Ça me dérange pas, je peux encore le faire. Non, je voulais juste sauter, c'est tout court, voilà. Où est-ce que je vais maintenant? 30 mètres, ok. On se croirait vraiment dans Black Ops un peu la mission. Sauf qu'il y a un peu moins de méchants, c'est tout. Oh, donc là je peux y aller vraiment. Ne bougez plus. Aide-le. C'est bon, je bouge pas. Ok. Dans ton cul, Bloom. En 2013, Chicago concrétise la promesse d'une ville connectée avec le CityOS, un système d'exploitation urbain alliant le big data à des programmes de surveillance, de sécurité et de circulation pour créer une métropole plus efficace. En quelques lignes de code, des hackers parvinrent à pirater ses serveurs centraux et à paralyser tout le réseau. Beaucoup pensaient que l'attaque marquerait la fin du développement des villes connectées. Ils se trompaient. Coordonné depuis le cœur de la Silicon Valley, le CityOS 2.0 est implémenté à travers tous les États-Unis. Instaurant l'Internet des objets. Plus de 6,4 milliards d'appareils connectés servent désormais de points de collecte, consignant nos trajets et gestes quotidiens pour un système plus sûr et plus intrusif. Mais qui d'autre observe? Big Brother ne travaille plus seul. Des milliers de petits frères surveillent et enregistrent vos faits et gestes, constituant un profil numérique de vous qui pourrait être vendu, échangé ou volé en un instant. Les jouets analysent les enfants et communiquent leurs habitudes de jeu aux services commerciaux. Les appareils, consoles et systèmes de sécurité domestique ouvrent votre intimité à des sociétés. Les commandes de votre véhicule et les appareils mobiles peuvent être piratés à distance par n'importe qui. Vous pensez peut-être que ce n'est pas si grave, ou que vous êtes à l'abri, mais votre ombre numérique est déjà compromise. Les compagnies d'assurance emploient des algorithmes pour surveiller vos habitudes et limiter vos remboursements. Les médecins prédisent l'année de votre mort et déterminent si votre cancer mérite un traitement. Les résultats de recherche et fils d'actualité sont manipulés pour influencer votre humeur et vos votes, générant des soulèvements sociaux à grande échelle. Vous avez moins de valeur que les données que vous produisez. Bienvenue dans la nouvelle réalité, où le contrôle est une illusion et se cacher n'est plus une option. Alors que les libertés individuelles sont menacées, la résistance s'organise. Sonneurs d'alerte, activistes et hackers se dressent contre l'ordre établi et accentuent leur vigilance. Mais sont-ils eux-mêmes un danger? Ou les derniers défenseurs de la liberté? Les derniers défenseurs de la liberté. Alors? Je suis pris? Bienvenue chez DeadSec. Moi, c'est Citara. Le petit jeune, c'est Josh. Nom de code, Hot Sauce. Mec, c'est toi, Hot Sauce? Sérieux, tu m'as fait kiffer avec ton piratage de la fac. Merci.
Lui, avec le masque, c'est Wrench. Live long and prosper. Et le beau gosse, là, c'est Horatio. Bien ou quoi? Salut, mon frère. Alors, c'est ça, la team. Vous en avez mis du temps à venir me chercher. Vous avez vu ce que fait Bloom. Le CityOS fait pas que réguler les infrastructures. La quantité d'informations personnelles que ce truc récupère, c'est tout simplement n'importe ouais. quoi. C'est comme si Big Brother et son petit frère avaient décidé de fusionner. Hein? Ils voient tout ce que tu fais et ils te dénoncent. Merci, Josh. Alors, on fait quoi? On peut l'exploser, ils foutent le feu. Ou non mieux, les deux en même temps. Vu que toutes les informations sont centralisées, ils peuvent rejeter ton dossier avant même que tu l'aies déposé. Toutes nos félicitations. Votre demande de crédit a bien été refusée. Ta baraque, ton assurance. Ouais, mais attends, ça va encore. T'imagines ces données entre les mains du gouvernement? Ils peuvent t'arrêter pour des trucs que t'as même pas encore fait. Ouais, je suis passé par là. Maintenant, je comprends mieux. C'est vraiment... Bon, vous savez quoi? On va les baiser! On est des putains de hackers! On a le cerveau, on a les balls! Faut qu'on dise la vérité aux gens, il faut qu'on leur montre ce que... Du coup, on n'a plus qu'à entrer. Oh, juste. Ouais, donc désolé les gars, il y a eu un petit bug de rien du tout, en gros. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas juste pas trop lent... J'ai fait en sorte que vous ne loupiez pas trop grand chose. C'est bon ça. Ah. Il est quand même un peu tard pour courir, non? Tu fais quoi? T'essaies d'échapper aux flics, c'est ça? Peut-être que j'en suis, hein. Eh, hey, mais... Je t'ai déjà vu quelque part, non? Amusez-vous bien. Essayez de traquer ça! Dans ton cul, Bloom! C'est l'heure de la vengeance, ma gueule. Ok, donc voilà. Comme je vous disais, vous n'avez pas loupé grand-chose, hein, vous inquiétez pas. Donc là, le seul truc que j'ai... Pour vous résumer, ils vont juste mettre une backdoor sur Bloom. Mais Bloom, je crois que c'est bien un truc, mais alors... Même si je le sais, de toute façon, je le spoilerai pas. Hein. Là, ce serait peut-être la Jules 6. Et que ça me revient directement, c'est-à-dire que ça, c'est un gros truc. Par contre, il y a un peu trop de cinématique. Allô, il est à qui ce téléphone? Ben maintenant, il est à toi. Le mien à moi, il est où? Dans l'océan, c'est là que tu l'as acheté, je crois. Enfin, je me rappelle plus, j'étais bien défoncé. On se retrouve à Hacker Space. Où ça? Regarde dans tes photos, tu devrais trouver. Ah, ok. Ah bah voilà. Donc pour vous résumer un petit peu, on est dans San Francisco. J'étais torché, c'est ça? Du moins je suppose, parce que là, rien qu'avec le pont juste... dire, mon ami. Et puis aussi parce que c'était un peu écrit partout San Francisco après, donc je suppose. Et tu vas avoir besoin de ton téléphone pour la suite des opérations. Alors pense à télécharger toutes les applis utiles avant de venir. Putain, je me tape la honte dès le premier jour. Ah, un véhicule, voilà. Ouais. Je sais encore conduire, c'est bon. Alors du coup, faut aller où? Ah, ouvrons notre téléphone. L'appli, c'est quoi ça? Ah, ok. Attends.
J'ai pas compris ce qu'il faut faire. Love Store, ouais. Faut se... ouais. Ah, ok, faut enfoncer. Ouais. Donc il faut placer des repères sur la map. Ok. Et où est la map? Ok. Ah, ok, c'est ça la map. On croirait rien, le GPS là qu'on a sur. Ouais, donc c'est assez grand. Et donc, ouais, j'ai bien raison, c'est San Francisco. Du coup, faut aller où? D'ailleurs, c'est quoi ces points? Restaurant, ouais. Pas très intéressant, hein. Ça doit être... Alors, ah, voilà, acheter un pantalon. Du coup. Kiosque, ouais. Bar. Donc voilà, je crois que c'est ça, hein, le magasin de vêtements. On va s'acheter le pantalon et puis après j'arrêterai pour le moment. Et puis on recommencera dans 2 jours. On va faire ça pour tous les 2 jours. Hein. Voilà. Du coup. Merde. Oh putain, mais ça va pas assez. J'ai trop envie de sortir mon flingue, je sais pas pourquoi. Voilà. Faire des achats. Du coup, un pantalon. Parce que là, ce qu'on a, ce n'est pas génial, génial. Du coup, il y a. Ouais. Allez, une petite photo pour la forme. Ah voilà. On a des followers, cool. C'est bon, Citara, je vais où maintenant? Je t'envoie ça sur ton portable. Et le code. Bon, du coup, on va s'arrêter là pour cette vidéo découverte. Et puis le début de ce let's play. Hein. Donc, si la main t'a aimé, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner. Allez, à plus.